Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calling All Dev. Nous retrouvons Jared avec un peu moins de maquillage que la semaine dernière pour le retour des questions à développeurs. Et nous commençons tout de suite avec une question pour Jack Mule. Combien de temps cela peut-il prendre pour gagner un vaisseau en jeu ? Les devs ont évidemment beaucoup parlé de cela pour réussir à estimer le temps nécessaire. Et même si Jake ne peut pas nous parler de vaisseaux précis, il peut tout de même nous expliquer les facteurs pris en compte pour le prix d'un vaisseau. La première étape quand ils font des estimations est de s'affranchir du prix, et de penser en termes de temps de jeu. Par exemple, pour tel objet, il vous faudra 3 heures, et pour un autre, il vous faudra 1 heure. Évidemment, en fonction de votre assiduité, ce temps variera, mais cela leur fait une bonne base. Pour l'instant, il veut s'assurer que la progression fonctionne correctement, et avec la première révélation des prix en jeu, les devs ont reçu beaucoup de retours. D'un côté, une bonne partie des joueurs trouvent les prix des vaisseaux trop élevés, et une partie majoritaire trouve les prix satisfaisants. La communauté est donc plutôt partagée sur le sujet. Les prix que les développeurs ont choisis tiennent compte du contenu encore manquant à ce jour, et sont en réalité les prix qu'ils souhaitent avoir lors de la sortie du jeu, car ils ont une bonne idée de l'économie lors de la sortie. Et la décision qu'ils ont prise est de garder ces prix plus ou moins définitifs, tout en ajustant les moyens de gagner des crédits durant l'alpha, plutôt que le contraire. Donc Stunton étant censé être un système peu risqué avec des récompenses peu élevées, ne vous habituez pas trop aux récompenses durant l'alpha. Concernant la décision du prix du vaisseau en elle-même, elle prend en compte différents facteurs de comparaison, comme les performances du vaisseau ou la quantité de composants que celui-ci possède. Ils veulent donc qu'un vaisseau plus performant soit plus cher. Les points d'attache sont également pris en compte, ainsi que le nombre de sièges, de places pour le cargo, etc., etc. Et compare tous ces points entre les différents vaisseaux, plutôt que de se demander si un gros générateur de bouclier vaut plus que la place pour 66 SCU. Lorsqu'il s'agit de vaisseaux de luxe, comme le Constellation Phoenix, les matériaux utilisés font aussi varier la valeur du véhicule. Car ils ne veulent pas dire que c'est un vaisseau de luxe, donc il est plus cher. Il faut que cela soit justifié par des éléments concrets. Donc si un générateur de bouclier est plus cher qu'un autre, ce n'est pas qu'une histoire de performance. C'est aussi parce que les matériaux pour le construire sont rares, difficiles à extraire ou à maîtriser, et donc font nécessairement augmenter la valeur. Et en parallèle, les performances grâce à ces matériaux de meilleure qualité. Et toutes ces explications combinées donnent le prix actuel des vaisseaux dans le jeu. Évidemment, il y a parfois des éléments plus compliqués à prendre en compte, comme la portée d'une arme où il est très subjectif de mettre une valeur dessus. Mais il faut tout de même le faire, et même mettre une valeur sur un être humain, car ces valeurs sont importantes pour l'économie du jeu. Et voilà pour ce sujet complexe qu'est l'économie résumée en un Calling All Dev. Mais il reste encore un tout petit peu de temps pour une autre question pour Chad McKinney. Comment prévoyez-vous d'implémenter l'inventaire physique ? À quoi ressemblera le tiers zéro et quels sont les plans futurs ? C'est un sujet qui est évoqué depuis longtemps au sein des équipes et la 3.0 a permis de mettre en place les bases de la persistance. Mais il est clair qu'il reste encore du chemin à parcourir et les développeurs veulent s'affranchir de cette espèce de sac magique où tous vos objets sont à l'intérieur. Pour qu'à terme, seuls restent les objets équipés sur vous ou éventuellement dans un sac avec quelques places de stockage. Évidemment, vous posséderez toujours ces objets quelque part, mais vous ne pourrez pas les équiper. Les développeurs souhaiteraient commencer par utiliser les stockages physiques dans les vaisseaux et les habitations. Mais pour que tout cela fonctionne correctement, cela doit être implémenté en parallèle d'autres technologies, comme le serveur meshing ou le serveur streaming. Maintenant que l'OCS prend bonne forme côté client, ils peuvent regarder côté serveur, ce qui permet la création à terme de la persistance globale, qui en gros permet de garder un objet physique en jeu tel qu'une arme dans un avant-poste que vous laissez en vous déconnectant, et que vous devez pouvoir retrouver même une semaine après. Au fur et à mesure que le jeu avancera, nous verrons donc apparaître de plus en plus de persistance. Il reste tout de même quelques questionnements, comme le fait de devoir utiliser ou non le mobiglas devant un casier, mais cela sera résolu le moment venu. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Merci aux tipeurs pour leur soutien et tout particulièrement à Tiberius pour son cadeau de Noël. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord Roxy la Rotule, les liens sont dans la description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un tour sur notre Tipeee, mais aussi partager cette vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt, bisous des étoiles.